La photo d'identité, un élément essentiel dans la constitution des dossiers d'inscription des élèves, d'où l'instauration de séances de prise de photos sur place au sein de certains établissements privés ou publics. Une pratique sans doute pour faciliter les conditions d'inscription, mais qui reste un réel handicap pour les photographes professionnels. Leur studio se vide. Depuis la rentrée arrivée, il n'y a personne qui a des photos ici. On fait toutes les photos dans les écoles là-bas. Eux, là-bas, sur des machines ici. Pour l'Union des photographes et caméramènes professionnels, c'est une concurrence déloyale qu'elle subit. Nous sommes pris en otage. Les écoles publiques et privées, aujourd'hui, font des photos à l'intérieur de l'école. On oblige les enfants à faire des photos exclusivement dans les écoles. Mais cela va de soi que nous, photographes, nous qui avions des charges, qui avions des studios, qui payons nos taxes, qui payons nos impôts, nous sommes de facto mis à l'écart. Pour se faire entendre, les photographes de Côte d'Ivoire multiplient les actions. La plus significative, leur volonté de revoir à la baisse le coût des prestations.